Tu vas déposer là-bas. J'ai compris. Il n'y a pas de problème. Quand vous sortez, il n'y a pas de problème. Seulement la télévision. Je veux que la télévision. S'il vous plaît, la salle est pas utilisée. Mettez la caméra là-bas. Conformément au programme, nous allons procéder à la lecture du contenu de la charte avant de procéder à la signature de la dite charte. Nouvelle charte de l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, ALAD. Les partis signataires du protocole d'alliance électorale dénommé Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, ALAD, considérant la tenue effective du scrutin présidentiel du 18 octobre 2020, considérant que le candidat de l'ALAD a gagné cette élection dès le premier tour avec 53,84% des voix, considérant que les résultats proclamés par la CENI et la Cour constitutionnelle faisant de Alpha Condé le vainqueur de cette élection ne reflètent nullement la vérité des urnes, considérant que la majorité des candidats à l'élection du 18 octobre 2020 ont rejeté les résultats proclamés par la CENI et la Cour constitutionnelle, dont deux d'entre eux ont reconnu la victoire du candidat de l'ALAD, considérant la volonté commune des signataires de la charte de renforcer l'unité nationale, de promouvoir la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance, considérant la nécessité de rassembler tous les partis et mouvements politiques attachés à la défense de ces valeurs, considérant la nécessité de mettre fin à l'instrumentalisation de l'ethnie à des fins politiques, considérant que le rassemblement des forces vives de la nation est la seule voie qui mène à l'instauration de l'état de droit et de la démocratie dans notre pays, considérant que l'alternance est un principe de la démocratie et un gage pour la paix, convaincu que la démocratie est indissociable de l'état de droit qui réside dans le respect scrupuleux de la Constitution en tant que loi suprême régissant la vie d'un État, décide de transformer l'ALAD, alliance électorale, en une alliance politique. Cette alliance politique est régie par les dispositions suivantes. Titre 1. Disposition générale. Article 1. Constitution. Il est constitué une alliance politique dénommée Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, ALAD, dont le siège se trouve à Conakry. Le siège peut être transféré en tout autre lieu par décision de la plénière. Article 2. Dénomination et objet. L'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, ALAD, est une association de partis et mouvements politiques ayant pour vocation la conquête et l'exercice du pouvoir d'État dans le respect des droits humains et des principes et règles de démocratie et de l'État de droit. Article 3. Objectif. L'ALAD se fixe pour objectif d'œuvrer par tous les moyens légaux pour obtenir la reconnaissance de la victoire de Mamadou Sékou Danne Diallo à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. À cet égard, l'ANAD sera un cadre de concertation et d'évaluation des politiques du gouvernement illégal et illégitime à l'effet d'identifier et dénoncer toutes les pratiques contraires à la loi et aux règles de bonne gestion des affaires publiques, de promouvoir une démocratie pluraliste, participative, respectueuse des droits humains et des libertés fondamentales, de former et d'informer les citoyens sur leurs droits et devoirs afin qu'ils contribuent et participent utilement à la consolidation de l'unité nationale, à la vie politique, économique, sociale et culturelle du pays dans le respect des lois de la République.
Article 4 de l'acquisition de la qualité de membre. L'ANAD est ouverte à tous les partis et mouvements politiques qui acceptent les dispositions de la présente charte et qui décident d'y adhérer. Article 5 de la perte de la qualité de membre. La qualité de membre se perd par démission ou exclusion prononcée par la première à la majorité des deux tiers des leaders. La décision entérinant la perte de la qualité de membre est motivée et consignée dans un procès verbal. Article 6 de l'identité et de l'engagement des partis. Les membres de l'ANAD gardent leurs identités propres. Ils se doivent tolérance et respect mutuel. Ils s'engagent à collaborer dans la solidarité, la transparence et le respect scrupuleux de leurs engagements et de leurs identités. Article 7. Le président de l'ANAD est désigné par consensus ou à défaut par la majorité des deux tiers des membres du collège des leaders. Si aucun des candidats n'obtient la majorité requise au premier tour, un second tour est organisé pour départager les deux premiers. Le président est le porte-parole de l'ANAD. Il peut déléguer cette fonction à un membre de l'ANAD de son choix. Il est élu pour une période d'un an renouvelable une seule fois. Il ne peut être destitué que par deux tiers des leaders du collège des leaders. Il représente l'alliance dans les relations avec les autres entités politiques. Il est assisté par des conseillers et des vice-présidents qui constituent son cabinet. Le cabinet est chargé du suivi et de la mise en œuvre des décisions de la première. En cas de démission ou d'empêchement du président avant la fin de son mandat, il est remplacé par le doyen d'âge de son cabinet pour une durée ne dépassant pas 60 jours au plus, au cours de laquelle on élit le nouveau président de l'ANAD. Article 8. Les conseillers et les vice-présidents. Le président est assisté dans l'exercice de ses fonctions par des conseillers et des vice-présidents proposés par lui à la plénière. Ces derniers sont choisis parmi le collège des leaders en fonction de leur expérience politique ou administrative. Article 9. Élection présidentielle. Les partis membres de l'ANAD feront l'effort de présenter un seul candidat à l'élection présidentielle. À défaut d'un consensus pour le choix d'un seul candidat, chaque parti soutiendra le candidat de l'ANAD de son choix. Au cas où il y a un second tour, tous les partis et mouvements membres de l'ANAD s'engagent à soutenir le candidat de l'Alliance qualifié pour le second tour. Article 10. Élections législatives et communales. Pour les élections législatives et communales, les membres de la coalition feront l'effort de nouer des alliances au cas par cas sur la base des critères objectifs de manière à accroître les chances de succès de l'alliance. Article 11. Des règles de bonne conduite. Les membres signataires de la présente charte ne peuvent appartenir à une autre alliance politique, concurrente ou adverse. Chaque parti ou mouvement politique membre a l'obligation de respecter les autres entités membres de l'alliance, de les traiter comme des alliés et d'éviter toute critique publique à leur endroit. Titre 2. Organes et instances de décision. Article 12. Les organes et instances de décision de l'ANAD sont la plénière, les commissions, le secrétariat permanent. La plénière est l'instance de décision de l'ANAD. Elle comprend les leaders de tous les partis et mouvements politiques membres, signataires de la charte. Elle se réunit en session ordinaire une fois par mois et en session extraordinaire chaque fois que c'est nécessaire. La plénière est présidée par le président de l'ANAD. En cas d'absence, il est remplacé par un vice-président ou conseiller. Les décisions sont prises par consensus. À défaut de consensus, il est précédé à un vote au cours duquel chaque parti et mouvement dispose d'une voix et les décisions sont prises à la majorité simple. Les commissions.
Znanad est doté de cette commission chargée de la veille, de l'expertise et de l'aide à la décision. La commission politique est chargée du suivi des activités des institutions républicaines en effet d'identifier toutes les faiblesses, notamment les violations de la loi et des droits des citoyens, la mauvaise gestion des deniers publics, la délinquance électorale sous toutes ses formes. La commission politique élabore des rapports périodiques à l'attention de la plénière et de la cellule de communication. La commission communication est chargée de définir la stratégie de communication et les éléments de langage permettant de traiter efficacement les informations qui dénoncent la mauvaise gouvernance et d'expliquer le bien fondé des prises de position de l'ANAP. La commission diplomatie et relations extérieures. Elle est chargée du suivi des relations avec les organisations de défense des droits de l'homme, les ONG, les ambassades, les organisations sous-régionales, régionales et internationales, ainsi que tous les partenaires techniques et financiers intéressés par la promotion de la démocratie, de l'état de droit et de la protection des droits humains. La commission mobilisation est chargée de mobiliser les militants, d'encadrer les manifestants pacifiques pour dénoncer ou protester contre la mauvaise gouvernance, la violation des lois de la République et les droits et libertés des citoyens. La commission affaires sociales. Elle est chargée de veiller à la solidarité entre les membres de l'ANAD en assurant l'assistance et en veillant à la représentation de l'Alliance dans les affaires sociales des membres, ainsi que le suivi et l'assistance des victimes, aux parents des victimes, des répressions policières et des détenus politiques, notamment à l'occasion des manifestations organisées par l'ANAD. La commission électorale. Elle est chargée de définir la stratégie électorale de l'Alliance et d'encadrer le processus de développement des capacités d'organisation et de gestion du processus électoral. Elle a aussi pour mandat de conseiller l'Alliance sur l'application de la loi électorale et le processus électoral. Elle représente l'Alliance auprès des institutions chargées d'organiser les élections. La commission juridique, elle est chargée de veiller à l'application des statuts de la charte, de l'alliance et des accords signés. Elle procède à la lecture et à l'interprétation des lois du pays en vue de guider les activités et décisions de l'alliance. Elle gère, en collaboration avec les avocats de l'alliance, les contentieux électoraux, politiques et juridiques, et défend les intérêts de l'alliance et de ses membres. Le secrétariat permanent de l'ANAD. Le secrétariat permanent est chargé de coordonner et de gérer les services communs tels que l'administration du siège, la trésorerie, la communication avec les adhérents et la planification des rencontres. Il travaille sous l'autorité du président, tient les registres officiels, les procès-verbaux ainsi que les archives de l'Alliance et fixe l'ordre du jour des réunions. Titre 3, moyens et ressources. Article 13, les activités et le fonctionnement de l'ANAD et de ses structures sont financées par les cotisations des partis et mouvements politiques membres. Chaque parti et mouvement politique membre accepte de contribuer en fonction de ses moyens au budget de l'ANAD. Titre 4, disposition finale. Article 14. La présente charte est adoptée à l'unanimité des leaders de l'ANAD après lecture, ne pourra être modifiée que par consensus ou à la majorité des deux tiers des membres. Article 15, confidentialité. Les partis membres s'engagent à préserver la confidentialité des délibérations lors des réunions des organes de décision de l'ANAD. Fait à Conakry, le 14 juillet 2021, à plusieurs exemplaires originaux, dont les principaux signataires. À présent, après lecture de cette charte, nous allons procéder à sa signature, puis nous écouterons le discours. Tapis dans la photo.
En attendant, le temps pour nous de préparer la table de signature, nous passons le micro à M. Kiamou Bogola Rabat pour présenter la structure dirigeante de la MAT. On va faire une pierre de cours de science. Monsieur Elias Mamadou Selou Dalain Diallo a été élu comme président de l'AMA. Pour un premier mandat renouvelable une seule fois si son bilan est approuvé par le collège des leaders, dont la mission principale est d'aller s'installer à cette fois. Conseiller du président, conformément à la charte qui font partie du cabinet, Docteur Alpha Nadi Souma de l'UNP. Docteur Edouard Zoutoumou-Kouramou, président de l'université. Docteur Gaou Paldé, président de l'UGM. Étienne Souroupegui, président des valeurs communes. Avant de passer, je voudrais bien, par les présentations, vous annoncer que nous avons parmi nous nos frères que vous êtes en train de voir à l'écran. Donc, Roger Bamba, tous les leaders qui sont aujourd'hui emprisonnés, ils devraient être là. Vous avez l'habitude de les voir ici, dans cette même salle et dans l'ensemble de nos organisations. Et ça, c'est qu'ils sont le cœur avec nous et ils partagent tout ce que nous sommes en train de faire. Donc, nous demandons pour cela une minute de silence, vraiment pour tous ceux qui sont décédés, mais le président le fera au moment opportun. Mais pour cela, applaudissez pour tous ces présents enfants. Pour tous ces présents enfants qui sont à garantir l'état de l'État. Le président de l'État pour l'autre. Conseiller toujours, Lancelier Dubaté, président de la Guinée en marche de la Guinée. Donc, vous avez donc les cinq conseillers conformément à la charte. Les vice-présidents, vous avez Terno Seydou Balou du Parti Socialiste. Pas le Parti Socialiste de l'État à Congo. Le Parti Communiste et Trotskiste, je veux dire, il y a une différence. Socialiste et Trotskiste. Monsieur Jacques Bonomi, président de l'EPG. Monsieur Alpha Oumar Terrain Diallo en mission, le président de l'ADR. Monsieur Diabati Doré, président du RPR. Donc, chers invités, voici la composition du cabinet autour du président que vous avez autour de la première ligne. Donc, vous avez les grandes commissions de travail qui nous permettent d'exécuter toutes les décisions. La commission, la première, c'est la commission politique. Cette commission est dirigée par M. Pepe Francis Abba, président de l'UNCDD. Nous souhaitons la bienvenue parce qu'il n'était pas là quand on faisait la présentation. Président de la commission communication, M. Kiamou Bogola Rabat, que je suis. Commission diplomatie et relations extérieures. Monsieur Ternoyale Diallo, président de la Guinée moderne. Commission mobilisation. Président. Monsieur Adabaka Biransouma, président du PFC. Commission affaires sociales. Présidente. Madame Diba Fofana, présidente du Parti des femmes et des jeunes pour le développement. Commission électorale. Vous avez
le président Moussa Baldé, président du REM, qui est en mission, représenté par l'État. Et nous avons le secrétaire permanent que vous avez vu sa proposition, qui est une grande organisation. Évidemment, avant cette commission, qui sera la dernière, la commission qui nous permet aujourd'hui de défendre l'ensemble de nos thèses, de nos, qui travaillent nos avocats, qui défendent les vraies valeurs, notamment la loi, nous avons droit de loi dans ce pays. Cette commission juridique est présidée par M. Aminou Bari, président du PCD. Et enfin, la grande commission permanente qui permettra de gérer l'unité de l'organisation est présidée par le secrétaire permanent, qui permettra de gérer l'unité de l'organisation. Ce secrétaire est présidé par Nadia Naamoun de l'UFDG. Alors, je vous rappelle que l'ensemble de ces commissions sont des ameublées et elles ont commencé à travailler et nous remercions tous les leaders pour leur contribution, pour leur participation et pour que cela soit possible. Je vous remercie. Maintenant, il s'agit de la situation de la Chambre. Alors, donc, ce qu'on doit faire, je pense que il est très important que, comme on appelle, et que le leader signe. Voilà. Donc, le président de l'UFDG. Donc, vous pouvez laisser, donner un peu de l'espace, et ça, que le leader se prépare. Président de l'UFDG. Président de l'UFDG. Président de l'UFDG, monsieur Hélène de Manusse-Madaline Diallo. Monsieur Ibrahim Sori Keita, bienvenue et bien représenté. Le président Abdallah Chéri. On va commencer ici. Voilà, donc ici, juste la preuve. Vous signez juste après, vous allez continuer. Voilà, signez juste la compagnie de temps. Donc, le président de l'UDRP. Bon, c'est un autre document. Hein. Donc, vous signez juste la dernière page et puis le reste, on va faire après. Monsieur Souri. Yvon Soli, Keita, de la plateforme guinéenne de l'UNICE, et il représente M. Abdallah Chéri en exil. Oui, donc on a une seule page, Daniel, pour nous aider. Une seule page, ils vont signer, le reste, ils vont signer après, en détail. Donc, après, donc, le président de l'UDRP, Dr. Edouard Jotono. Donc, ils vont continuer conformément à la ligne. Hein. Donc, voilà, pour ne pas déplacer les présidents. Le président du RPR, M. Diamati Noé. Monsieur le président de l'UEGN, Dr. Gao Valdé. Le président de l'UMP, c'est le parti dont le premier président était naturellement Dr. Paul Faber, donc il a tout en place, il a tout bien son membre. Donc de l'autre côté, c'est Dr. Kamadi Souma, le président de l'UMP, c'est l'un des cinq premiers partis qui a été créé en Guinée en 1992, dirigé par Paul Faber. Donc, Dr. Alpha Mani Souma, président de l'Union nationale pour la prospérité.
ancien ministre des Mines, ancien directeur de cabinet du président Lansana Conté, professeur d'université, ancien conseiller du président Nino, consultant en ville. C'est là qui a pu permettre. Alors, après Dr. Fernandi Souma, nous avons Jacques Bonomi, président de l'UPG. C'est lui qui est l'héritier politique de Jean-Marie Doré. Après la Fernandi Souma, il sait bien Jacques Bonomi. Tous ces qui sont là, vous êtes tous là. Tout est là. Jacques Bonomi, président de l'UPG, est l'héritier de Jean-Marie Doré, qui a été formé depuis sa jeunesse jusqu'à la présidence, il a réussi toutes les échéances en aspect électoral. Le président Seydou Bayo, également du Parti Socialiste, un autre patron de l'échéance électorale. Monsieur Seydou Bayo. Alors, donc ça continue, nous avons donc le président de la Guinée moderne. Monsieur Marcelli, le président de la Guinée moderne est à Kabash. Lonceli Djoubaté, président de la Guinée en marche. Alors, vous voulez qu'il se déplace? Alors, donc, si vous acceptez comme ça, ils peuvent se déplacer, mais on pense que acceptez comme ça. Voilà. La gestion du temps, le temps c'est de l'argent. Le temps c'est de l'argent. Après donc le président de la Guinée en marche, nous avons le président, président Moussa Baldé, Idrissa Baldé de la RMA, la République émergente. Vous avez donc le président Tara qui est représenté par Hadi, qui va signer pour ADR. Vous avez le président de PCDIC, Amidou Barry. Je suis là. Vous avez le président de la Guinée moderne, Ternou Yaya Diallo. Je ne peux pas parler. Vous avez le président du Parti national pour la défense et développement, Souri Camara. Le président du PPC, Parti populaire pour le renouvellement, le changement, bien sûr, Biro Souma. La présidente du Parti des femmes et des jeunes pour le développement, Madame Duba Fofana. Parti des femmes et des jeunes pour le développement. Vous avez le représentant de M. Abdallah Chibif, la plateforme guinéenne de l'unité. Madame Nadia. Oui, monsieur. Je me souviens que tu as représenté Abdallah Chibif, du parti de la plateforme guinéenne de l'unité. C'est un moment, un grand moment de la Turquie. Alors, vous avez les valeurs communes.
Mais ce mot est un seul mot qui est seulement représenté par cela. Alors, maintenant, enfin, nous avons le président de l'UGDD qui fait partie de ceux qui nous reçoivent dans cette maison, Pepe Francis Abad, pour l'UGDD. Nous avons beaucoup de leaders qui sont absents. Vous avez le leader de la troisième dynamique qui est en Belgique, M. Moulita Bagaré, et son coordinateur national, Mandy Olivogui, qui est en prison à la maison centrale, qui a été condamné. Et vous étiez tous témoins. On vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Mandy Olivogui a toujours été dans cette salle-là pour le combat. Vous avez donc M. Siri Kiba, qui est du mouvement populaire pour le changement, qui est du côté de Paris. Et vous avez donc évidemment beaucoup de leaders qui sont en déplacement et qui vont signer, qui ont décidé qu'ils passeront signer une fois. Parce que cette alliance, vous le rappelez, c'est plus de 37 formations politiques et plus de 500 mouvements. Nous avons donc pris le soin pour ne pas inviter tous les mouvements et de ne pas les faire venir ici. Je vous remercie. Donc, Joaquin Duéo, le modérateur. Alors, donc, si donc, le modérateur n'est pas là, nous allons continuer le programme. Cette fois-ci, il s'agit du discours du président élu du peuple de Guinée, du président de l'UFDG, mais aussi qui vient d'être élu comme président de l'ALAS. Attendez, on va poser le micro. Demander à la salle de bien vouloir observer une minute de silence pour le recours des nombreuses victimes des violences post-électorales, mais également de la lutte contre le troisième mandat. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord vous remercier pour la confiance que vous avez bien voulu porter à ma personne en acceptant de soutenir ma candidature à l'élection présidentielle du 18 octobre 2010. 2020. Croyez-moi, je vous en suis profondément reconnaissant pour la confiance que vous avez portée à ma modeste personne, mais aussi pour l'énergie, le temps et même l'argent que vous avez dépensé pour notre victoire. Nous avons mené une campagne exemplaire grâce à votre soutien. Vous vous souvenez sans doute de la mobilisation de nos compatriotes de Farana, de Kissidougou, de Guétudou, de Massanta, de Zorikore, de Yomou, de Lola, de Guéké, de Mamou, de Kindia, et du retour triomphal de votre candidat à Conakry. Avec cette confiance manifestée, ce soutien exprimé lors de la campagne, vous étiez, vous et moi, convaincus que nous étions à même de gagner cette élection. Grâce à l'organisation que nous avons mise ensemble, en place, nous avons réussi l'exploit de gagner cette élection
dès le premier tour avec 53,84%. Je tiens encore une fois à la campagne. Mais au-delà de cet exploit dont on continue de se réjouir, il y a la résistance que nous avons organisée ensemble contre les exactions, les violences, les tueries, les arrestations, les séquestrations déclenchées par Alpha Condé contre notre alliance. Nous avons perdu 51 personnes, dont 4 en prison et 47 qui ont été abattus. La plupart lorsqu'ils étaient en train de fêter notre victoire. Non seulement ces crimes sont niés par Alpha Condé et son clan, et il n'y a aucune disposition prise pour identifier les auteurs de ces crimes. Aucune compassion n'a été exprimée par ceux qui se réclament d'être les autorités de ce pays à l'endroit des familles des victimes. Il y a eu plus de 400 personnes ici de nos rangs, je veux dire les rangs de l'homme, qui ont été kidnappés, séquestrés et qui croupissent toujours en prison. Pendant toutes ces preuves, vous étiez là, debout, personne n'a fléchi. Nous avons fait preuve d'un courage extraordinaire, un courage admiré et respecté par l'opinion nationale et internationale. Nous allons continuer à tenir debout, à dénoncer la délinquance électorale, à exiger le respect de la vérité des urnes. Personne des membres de la NAP ne s'est découragé. Personne n'a été gêné ou effrayé par les intimidations qui n'ont pas manqué. Nous avons continué le combat jusqu'aujourd'hui. Mais cette épreuve vécue ensemble nous a donné l'opportunité de nous connaître davantage. L'alliance électorale qui était circonstancielle pour aller aux élections, avec la solidarité que nous avons montrée, avec l'unité que nous avons montrée, a permis de bâtir une confiance entre les membres de la RAD. Et maintenant, nous allons décider de créer une alliance durable, une alliance politique, pour contribuer à l'avènement dans notre pays d'une société démocratique et respectueuse des droits humains. Il fallait ce temps pour se connaître et se faire confiance. Parce que nous sommes allés dans ces élections avec un peu de précipitation, même si nous avons fait preuve d'une capacité d'organisation extraordinaire qui nous a permis d'aller à la victoire. Mais depuis 9 mois, nous sommes ensemble sous le feu des exactions d'Alpha Condé. Et désormais, nous nous faisons confiance et nous avons décidé de franchir le pas et de construire une alliance politique pleine pour faire face. Pour contribuer à la réconciliation et à la consolidation de l'unité nationale. Parce que c'est comme si Alpha Condé est venu pour diviser la guerre. Leur société, il n'a travaillé pour la division, pour opposer les composantes politiques, ethniques de notre pays, pour ses intérêts exclusifs. Nous avons pris conscience de ça et nous avons décidé de mettre ensemble nos énergies, nos efforts, nos intelligences pour construire une démocratie apaisée, pour construire un état de droit, un état fort, neutre et impartial, capable de garantir à chaque citoyen le respect des droits et l'exercice de tous ses droits, garantir la sécurité des citoyens et contribuer à l'unité de la nation en faisant la promotion de la fraternité entre
les fils de ce pays. Donc, lorsque vous dites que vous battez pour l'unité nationale, vous vous battez pour la promotion de la fraternité dans ce pays, vous devez combattre en Alpha Condé, parce que c'est un facteur de division. Vous vous battez pour la bonne gouvernance, pour l'utilisation judicieuse et équitable des richesses de ce pays, vous devez être opposant à Alpha Condé, parce que sa politique, c'est une politique de vol et de détournement des deniers publics. Vous voulez que votre pays soit régi par les règles et les principes de l'état de droit, de la bonne gouvernance, vous devez être opposé à Alpha Condé. Vous voulez vous battre pour l'instauration d'une véritable justice dans ce pays, vous êtes opposé à Alpha Condé. Alors ceux qui partagent ces valeurs et qui se sont fait confiance dans la lutte ont décidé de partir cette alliance politique qui reste ouverte à tous ceux qui partagent les mêmes valeurs. Mais je sais déjà, il y a une masse critique de partis politiques, d'associations, de jeunes et de femmes déterminés à sortir la Guinée de la division, de la misère et de l'injustice. Donc, c'est qui ça ? Ma chère frère, ma chère camarade de combat, la lutte va être gagnée. Notre combat, pour le respect de la vérité des urnes, pour la réconciliation des Guinéens, pour le développement économique et social de ce pays, ce combat, nous allons le gagner parce que nous sommes déterminés et nous avons donné la preuve de notre détermination. Ni la corruption, ni l'intimidation, ni les violences, rien ne vous a découragé. Rien n'a découragé aucun d'entre nous. Et ce combat, nous devons le continuer avec le même courage, la même détermination, la même résistance à la corruption et à l'intimidation, parce que la victoire sera de notre côté. Et je sais qu'à cet égard, je peux compter sur vous tous et vous pouvez compter sur nous. Nous avons tous subi. Je voudrais, en votre nom, exprimer ma solidarité avec nos camarades qui sont séquestrés. Je vais parler de la suite par Étienne Sorokoubi, Ousmane Gaval, Sélou Baldé, Abdoulaye Ba, et tant d'autres militants parfois anonymes qui ont été kidnappés alors qu'ils étaient en train de manifester leur choix à l'annonce de notre victoire. Ils sont détenus arbitrairement en prison parce que telle est la volonté du tyran. L'instruction est terminée il y a plus de 2 mois. Il n'y a pas de justice. Le tyran a établi une règle. Vous demandez pardon et vous engagez à quitter l'UFDG lorsque vous en étiez mort, et même à combattre ce parti pour que je vous redonne votre vie. Vous voyez le cynisme qu'il y a derrière ça. Vous torturez moralement, parfois physiquement déjà. D'abord, vous les arrêtez. Ils n'ont commis aucun délit, aucun crime. Vous les séquestrez, vous les torturez. Et vous leur demandez de vous demander pardon pour pouvoir recouvrir votre liberté. Et on vous oblige parfois à prendre des engagements, de ne plus être de l'opposition et même de combattre la pré-opposition. Ainsi, ces pauvres jeunes qui ont été graciés après avoir été malmenés, après avoir subi des traitements dégradants et humains, après avoir été obligés d'écrire le tyran
qui sollicitaient sa clémence, alors qu'ils sont conscients qu'ils m'ont fait. Ils n'ont rien fait sauf s'exprimer parfois, s'opposer dans les réseaux sociaux pour le troisième mandat. Ceux, beaucoup d'entre vous étaient membres du FNDC comme moi, vous savez ce que Zérecoré a subi comme violence. Nos 43 camarades qui avaient été kidnappés, transférés à Tampan, ensuite ramenés à Zérecoré, aussi ont subi le même sort. Il faut s'engager à ne plus être dans l'oppression, on va vous donner votre liberté. Le seul crime qu'ils ont commis, c'est de s'opposer au troisième mandat. C'est d'exiger le respect de notre constitution. Une constitution qui stipulait clairement que nul ne peut exercer plus de trois mandats consécutifs ou non. Plus de deux mandats consécutifs ou non. C'est d'abord exigé le respect de cette constitution. Le respect du serment, la parole donnée est sacrée en Afrique. Pour avoir exigé le respect de la parole donnée, le respect de la loi fondamentale, eh bien, ils ont subi toutes sortes de traitements inhumains et dégradants. Et sous l'effet de la torture, certains d'entre eux ont été obligés de recouvrer la liberté de s'engager, de ne plus être dans l'opposition. Ils sont nombreux, les questions ont eu lieu, mais la négociation, c'était ça. Donc, soyons mobilisés et ouverts d'esprit. La victoire sera de notre côté. Parce que nous défendons l'unité de la nation. Nous défendons la démocratie, l'état de droit et les droits humains. Nous défendons la justice pour tous. Et nous voulons que les Guinéens soient, tous les Guinéens soient unis autour des valeurs, de ces valeurs que je viens de citer. Mais aussi qu'ils acceptent toute cette volonté de Dieu d'être Guinéen. Parce que ça sonne dans tout le monde, on a choisi. On est les Guinéens. Alpha est venu pour nous diviser. En refusant cette division, nous ne s'inscrivons, c'est sûr, durablement, dans l'opposition, et je suis convaincu que ce sera le cas, et que nous allons changer notre pays, la Guinée, pour en faire une société solidaire, fraternelle, unie autour des valeurs de justice, de paix, de démocratie. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, pour les meilleurs discours. Rapidement, parce que c'est très chaud, les questions. Merci, Monsieur le Merci, Monsieur le Président. Alors, dernière étape de notre cérémonie, je crois que nous sommes dans le temps. On a rattrapé les 20 minutes qu'on avait. Maintenant, on n'a plus que 10 minutes de retard. Il est prévu que cette cérémonie prenne fin à 13 heures. Donc, nous donnons la parole aux journalistes pour les questions. 10 minutes, s'il vous plaît. Écrivez la liste. Une première liste peut-être. Abdelkarim. Les journalistes qui voudront faire des actions. Ensuite, dans le tableau.
Oui. Merci beaucoup. Je suis Abdelkadir Diallo, journaliste Abdelkadir.com. Ma question s'adresse à M. Seydou Dalé Diallo. Je voudrais savoir, M. Dalé, ce n'est pas la première fois que vous signez une alliance avec des partis politiques. Je me souviens encore de celle que vous avez signée avec l'actuel chef de l'opposition, qui n'a pas fait long feu. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes rassuré qu'avec ceux-ci, ce sont des bons alliés? Et la seconde question, c'est par rapport à la reprise des manifestations politiques. Beaucoup de personnes pensent que ce n'est pas opportun vu que vous avez eu une centaine de militants en prison. Est-ce que c'est le moment de partir, de reprendre les manifestations de l'île au risque, selon certains, de cautionner d'autres arrestations? Je réponds. Monsieur Hans de Je réponds d'abord ou bien ça, c'est Africa. Oui. Il est là, il y a une autre liste. Bonjour, moi c'est Lassoumane Obadé du groupe Kanga. La première question, c'est comment vous comptez faire réconcilier les Guinéens. Aujourd'hui, vous avez dit que vous n'êtes pas concerné par le dialogue lancé par Alpha Condé. Maintenant, vous prenez la réconciliation nationale. Comment vous comptez faire? Deuxième question, peut-être c'est une question banale. Je vois plusieurs leaders qui ont signé la charte, ils sont vêtus en grand acte rouge. Est-ce que c'était une année ou bien c'est dans le hasard? Merci. Yacine Diallo de l'ex. Bonjour, monsieur le président du FDG, c'est Yacine Diallo du groupe l'ex. Président de l'ANAC. Je voudrais savoir, monsieur le président, au sein de l'UFDG, il y a des voix ou une voix qui conteste déjà la légitimité de cette alliance. C'est Mamadou Bari qui se pose des questions sur l'opportunité de signer des alliances pour l'UFDG avec des partis politiques qu'il considère un point plume à chaque fois qu'ils viennent s'afficher autour de vous et attendent le moment opportun pour quitter. Voilà, le dernier, Seydou Diallo du groupe Guinée.com. Bonjour, monsieur le président de l'ANAC. Moi, c'est Guinée Guinée.com. Pendant votre discours, j'ai entendu, vous avez dit, que dans cette lutte, vous allez gagner. Parce que vous avez des actes de pouvoir. C'est ce que vous voulez dire. Ça, c'est la première question. La deuxième question, dans votre nouvelle forme de l'ANAC, vous parlez de réconciliation nationale. Vous voulez. Présidente, pour les bandes blancs, vous serez votre forme de réconciliation nationale. Merci. Très bien. Je voudrais d'abord prendre la question d'Africa Guinée qui demande pourquoi c'est venu de ce qu'il considère. Merci. Alors, il estime qu'on a signé beaucoup d'alliances qui n'ont pas survécu pendant longtemps. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que la NAT connaisse le même sort? Je crois que c'est ça la question qui est bien formulée. Alors, le risque zéro n'existe pas. Mais comme je l'ai rappelé ici, nous avons eu le temps de nous connaître dans l'épreuve, dans le sang. D'abord dans la campagne. Nous avons mené ensemble cette campagne exemplaire. Si Ampa ne nous avait pas interdit l'accès à Cancan, vous auriez vu des choses. Parce qu'Ampa était conscient qu'il n'avait plus de fièvre. Mais mon arrivée à Cancan, on l'a mise en évidence justement le rejet de la jeunesse de Haute-Guinée. Le rejet de ce régime. Parce que ses promesses n'ont pas été tenues, parce qu'il n'a rien fait par rapport aux engagements qu'il avait pris. Et c'est pas pour rien que le pouvoir a décidé de nous bloquer et d'aller détruire tous les symboles de l'UFDG. Je ne le dis pas assez.
La ville était déjà comme une ville conquise par les réfugiés. Il y avait des panneaux, des kiosques d'animation. C'est l'âme qui est ici, c'est l'âme qui est par là. Ils ont pris conscience. Ils ont décidé de tout détruire, y compris notre siège. Et ils ont racheté notre siège à quelqu'un pour pouvoir nous chasser là. Moi, j'avais un terrain acquis à Chose depuis 98, à Cancan. Les gens sont allés se nommer, ils sont venus casser le mur, dire que le terrain ne m'appartient pas. Bon, bref, pour revenir à la question, c'est le risque cancéreux, je ne sais pas. Mais, ici, le contexte d'aujourd'hui, comment on est cette alliance? Nous avons travaillé ensemble sur la campagne, nous avons organisé ensemble cette élection, on a gagné, et depuis lors, nous sommes en train de subir des exceptions de violence. Les gens ont fait preuve d'une résistance, d'une résilience extraordinaire. Aujourd'hui, lorsque vous allez faire, vous avez subi tant de violence, tant d'exactions, tant de privations, et que vous êtes restés les mêmes, je pense que la confiance préalable qui est nécessaire à la fondation d'une alliance comme ça, cette confiance existe. Et ce n'est pas de raison de douter de sa solidité et de ses chances de succès. Alors, l'opportunité de la reprise des manifestations. J'ai des inquiétudes par rapport aux commentaires qui ont été ici et là, par rapport à la demande de la jeunesse de l'UFDG de reprendre les manifestations. La manifestation est un droit constitutionnel. Manifester dans les rues et sur les places publiques est un droit constitutionnel. Tuer un manifestant est un crime imprescriptible. Si on est d'accord sur ça, c'est comment respecter la Constitution, c'est ça la question qu'on peut se poser. Respecter la vie humaine tout en respectant la Constitution. Nous avons organisé ici des dizaines et des dizaines de manifestations sans qu'il y ait des victimes. Mais ça gêne Alpha, une manifestation réussie. Parce que lorsqu'on voit 1 million de personnes dans les rues pour protester contre la mauvaise gouvernance, quelle que soit la nature de la revendication, ça le gêne. Et ils pensent que pour mettre un terme à la manifestation, il faut tuer pour décourager les manifestants. Est-ce que c'est normal de tuer un manifestant? Non, c'est un crime. Quelle était la procédure? Lorsqu'on obtient, on fait notre déclaration d'intention. Le gouverneur réunit les forces de défense et de sécurité. Et les leaders et les organisateurs, on décide ensemble comment on fait. Il est arrivé souvent qu'on a demandé aux forces de l'ordre d'être à l'état. Ils nous ont délivré une décision de la route. On a fait combien de manifestations? Sans dégâts. Mais ensuite, aujourd'hui, la manifestation, bien qu'inscrite dans la Constitution, est considérée par beaucoup de choses comme un acte de violence. Non. La violence vient du pouvoir. Parce que la réussite d'une manifestation gêne Alpha. C'est un désaveu, souvent, lorsqu'il y a 1 500 000 personnes dans les rues, les gens sortent, même ceux qui ne marchent pas, pour abattir les marcheurs, ça le dérange. Et pour mettre fin à ce désaveu qui était devenu récurrent, il a décidé d'exercer des violences sur les manifestants pour décourager ceci. Aujourd'hui, on a fait 250 morts depuis que l'on s'est monté. Des gens qui ont été abattus lorsqu'ils étaient en train de manifester dans les rues. Pourquoi a-t-il refusé jusqu'à présent pour qu'il y ait la moindre enquête pour ce qui est la responsable? Parce qu'il a décidé de garantir l'impunité aux forces de défense et de sécurité qui, selon lui, protège son pouvoir contre l'opposition. Voilà le problème. Alors, il faut s'attaquer au problème et non à ses effets. Et il va dire maintenant, comme il ne peut plus justifier l'indifférence de l'État, le refus de mener des enquêtes et de déférer devant les tribunaux des auteurs, parce que toutes les organisations de défense de l'homme, toutes les organisations internationales ont interpellé. Ils veulent dire que c'est l'opposition qui dit. Et je crois que c'est la question à dire. L'opposition, on ne peut pas armer nos militants pour tuer nos militants. J'ai donné l'exemple, venez à Ratoma, ici nous sommes dans Ratoma. Mais vous avez des quartiers, vous avez 3, 4, 5 ou une dizaine
de concession du RPG, des militants du RPG. Humilité assume leur appartenance au RPG. Mais jamais personne n'a été insulté. Et moins encore agressif. Donc ce n'est même pas une lutte contre le RPG ou contre une ethnie, ce n'est pas le cas. Parce que les gens là sont identifiés, ils sont là. Ils partagent la vie avec leurs voisins qui sont de l'UFDG, il n'y a pas de conflit. Donc son idée d'attribuer à l'opposition la mort des militants de l'opposition, ça ne tient pas là. Il a fabriqué des vidéos, lui-même, il a été la manette, il a fait des rapports, vous avez vu le rapport des MATD, où on les accuse de tout. Mais c'est des histoires. Alors, si les gens disent non, la manifestation, c'est envoyer les enfants à la boucherie. Non, la manifestation, c'est de la violence. Non, on a fait en 2006, en 2016, en 2017, plusieurs manifestations qu'on a encadrées nous-mêmes en prenant le départ à Tanéné et pour venir jusqu'au stade, parfois en passant par Madina, parfois en passant par Foy de Goudi. Jamais il n'y a eu de mort, il y avait eu de casse. Maintenant, on assimile ici, pour empêcher l'opposition de manifester, on assimile la manifestation pacifique à des agressions, à des casses, à des meurtres, alors que ce n'est pas le cas. C'est Alpha qui casse, c'est Alpha qui crée et qui garantit les droits des gens. Donc, il ne faut pas qu'on renonce à ce droit constitutionnel de manifester dans les rues, dans le futur, dans le respect des règles des citoyens. Comme je l'ai dit, les manifestations de 2016 ont conduit au dialogue d'octobre 2016 à la fois. On passait tous les jours à Tamboutine, dans des zones même considérées comme du RPG. Il y avait les parcs, il y avait les usagers, personne n'a été agressé. C'est possible s'il y a la volonté politique, mais celle-là n'existe pas chez Alpha. Bon. Alors, réconcilier, comment réconcilier alors que vous voulez le dialogue? C'est ça, ça c'est l'autre question. Il ne faut pas confondre les choses. Le dialogue, c'est pour faire face à une crise conjoncturelle. La réconciliation, c'est un processus. N'oubliez pas que l'Alpha Condé avait investi Monseigneur Vincent Koulibaly et l'imam Manassar et Camara de réfléchir à la réconciliation. Les deux religions étaient appuyées par les Nations Unies. Ils ont fait des visites, des voyages d'études partout en Afrique, au Togo, au Rwanda, en Afrique. Et donc, nous avons ces frères-là, ces religieux ont fait un rapport pertinent en faisant des recommandations plutôt pertinentes. Mais enfin, n'en veut pas. Il a mis ça dans le courant. Toutes ces recommandations, aucune. Ça, il s'agit de lire les pages douloureuses de notre histoire pour les tourner. Pour aboutir à quoi? À restituer le droit. Le droit à la vérité. Le droit à la justice. Le droit à la réparation et les garanties de nos réparations. C'est ça, le dialogue. Mais ils n'en veulent pas, puisqu'ils ont inclus la période de 2010 à 2015. Le rapport est très bien élaboré avec l'assistance des Nations Unies. Ils ne veulent pas. Ça, c'est un processus long. Le dialogue, c'est pour faire face à une crise conjoncturelle. On aurait dû dire la crise post-électorale ou la crise liée à la modification de la Constitution ou alors à la tuerie, ça, c'est une crise conjoncturelle de dialogue. Maintenant, il y a un document sur la réconciliation qui va mettre à l'œuvre. Ça, c'est, je pense que c'est les deux qui ne sont pas. Et nous ne voulons pas le dialogue. Notre position dans ce contexte, je reviens là-dessus. Nous ne pouvons pas dialoguer de côté à la gauche. Notre victoire est volée. On a perdu 50 personnes qui ont été tuées. Ces crimes sont liés par notre pouvoir. Nous avons beaucoup de prisonniers.
y compris les proches collaborateurs de l'UFDG de la NAP. Vous savez, nos bureaux et les sièges de l'UFDG sont occupés par la NAP depuis le 19 octobre. Nos droits et libertés de voyager, moi, mon épouse et mes collaborateurs qui sont encore à la liberté, c'est quoi, tu vois, chef? Alors, si on va au dialogue, c'est une forme pour en face appliquer sa théorie. Ils vont demander pardon, d'aider nous à récupérer nos bons, et après, ils vont dire bon, c'est ça, c'est sur cette base-là. Moi, j'ai fait les concessions. On n'est pas au dialogue dans ces conditions. C'est ça, j'essaie qu'on est d'accord avec la NAD. Il faut que ça soit clair. Oui. Et si on doit aller au dialogue, on s'interdit même de commenter ni le cadre ni les conditions actuelles. Et si nos droits et libertés sont restitués, les droits et libertés de nos compatriotes sont restitués, c'est-à-dire qu'ils sont libérés, on fera des propositions s'il y a lieu d'y aller. Mais pour l'instant, on n'a pas de proposition, on n'a pas de critique à faire à cet égard. C'est très clair. Alors, la légitimité et l'opportunité des alliances, c'est la même chose. Hein. Moi, je pense que c'est l'unité qui fait la force. Lorsque des gens partagent les mêmes valeurs, ont une même lecture de la crise que traverse le Kikini et qui veut sortir la Guinée de la crise, c'est normal que ça soit et ce serait un chemin politique. Voilà, je pense que c'est opportun, c'est légitime, dès lors que nous partageons la bonne valeur et nous avons la même détermination pour avancer. Alors, vous gagnez réconciliation et dialogue. Pour ça, c'était la même chose, la réconciliation et le dialogue, c'est deux choses différentes. Je crois que j'ai tenu comme parole.